Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette nouvelle vidéo d'Albert vous explique. Donc, comme certains d'entre vous le savent maintenant, je suis Albert et je vais vous présenter les spécificités du PER Nalo. Dans le PER Nalo, vous avez une gestion sur mesure personnalisée. Donc, ce sont des termes un peu galvaudés aujourd'hui que vous voyez un petit peu partout, sauf que nous, c'est appliqué clairement. Il n'existe pas de profil générique, comme vous pouvez lire ailleurs, prudent, équilibré, dynamique, ou encore P4, P8, etc. Nous, ce sont des algorithmes qui permettent d'adapter la gestion à chaque client. Cela signifie, par exemple, que lorsque le départ à la retraite est lointain, l'épargne peut être investie sur des actifs plus risqués. En revanche, au fur et à mesure que l'âge de la retraite approche, on va dérisquer le portefeuille parce que le besoin de votre argent va être de plus en plus prégnant. Donc, bien avoir en tête que ces termes de personnalisé et de gestion sur mesure sont totalement réels chez Nalo. Et je reviens, je redis, c'est des mots qui sont galvaudés aujourd'hui parce que tout le monde les utilise, alors que très peu l'appliquent concrètement dans la gestion. Concernant la digitalisation du PER Nalo, comme vous, on a tous marre de la paperasse, on a surtout envie de tout faire en ligne, rien imprimer et que le BIC n'existe plus sur notre bureau. C'est ce qu'on a fait pour la souscription, pour la gestion, pour votre meilleure lecture. Vous pouvez accéder H24 à votre espace client, vous pouvez souscrire depuis votre canapé le dimanche à 3h du mat ou en journée. Et c'est ça la spécificité de la digitalisation, c'est que ce n'est pas, chez Nalo, ce n'est pas une innovation, c'est une évidence poussée à son extrême. Concernant les frais du PER chez Nalo, nous gardons notre ambition de proposer les frais les plus faibles du marché. Pourquoi est-ce que c'est possible? Pour plusieurs raisons. Première raison, la digitalisation. Ça, je ne vais pas vous expliquer toutes les économies d'échelle qu'on peut faire grâce à ça. C'est à peu près toutes les boîtes aujourd'hui. Deuxièmement, les supports d'investissement. On utilise, comme pour notre contrat d'assurance vie, des ETF, autrement appelés trackers. Je redis en deux mots à peu près ce que c'est. Prenez le CAC 40, que vous connaissez certainement, l'indice qui représente la performance des 40 plus grosses entreprises françaises. On vous investit par exemple dans un ETF CAC 40, ça veut dire que vous investissez d'un coup sur une ligne dans les 40 meilleures entreprises françaises qui sont représentées par cet indice. Pourquoi est-ce que c'est intéressant sur les frais? C'est parce que ça coûte 10 fois moins cher, entendez bien, 10 fois moins cher que les fonds d'investissement classiques pour une performance meilleure. Et lorsque je dis meilleure, ça ne sort pas de mon chapeau, ça sort de données depuis des décennies, pas depuis 3 ans, depuis des décennies. Vous pouvez retrouver tout un tas de littérature à ce sujet. Et troisièmement, la technologie permet aussi de faire beaucoup d'économies d'échelle et d'être moins nombreux chez Nalo que dans d'autres acteurs. Pour finir, il n'y a aucun frais caché, pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie, pas de frais de cela, pas de frais de ceci, etc. Comme je le disais dans la dernière phrase à la réponse précédente, ce n'est pas parce que les frais sont faibles que le service est médiocre. Bien au contraire, vous avez accès à des conseillers privés qui sont d'anciens banquiers privés et ou ayant travaillé dans sa family office. Ils sont là pour vous conseiller, non pas pour vous vendre quoi que ce soit. Ils sont vraiment là pour vous conseiller et notamment bien au-delà du PER, vous pouvez leur poser des questions sur la gestion de patrimoine globalement. Si vous avez des questions à poser justement à nos conseillers privés, vous pouvez échanger avec eux par chat, courriel, téléphone, visioconférence et vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo sur les spécificités du PER Nalo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un petit pouce.